collège, l'accent est mis sur la puberté, vous l'avez dit, l'acceptation de soi et des autres. Oui. Comment s'organise la lutte contre les haines sexuelles, l'homophobie, la transphobie ? En réalité, si vous regardez bien ce programme, ça commence dès le départ, je veux dire pratiquement dès la classe maternelle. L'idée est de montrer qu'il y a une diversité de rôles ou de préférences sexuelles et qu'elles sont toutes, elles doivent toutes être respectées en tant que telles. Vous n'avez pas... si, pardon, encore une question importante, c'est celle des intervenants qui assureront ces séances et ces cours. Alors, est-ce que ce sont des associations certifiées? Est-ce que vous ferez rentrer les parents? La circulaire Fontana, je crois, avait prévu de faire rentrer les parents dans l'école. Oui, alors, ma réponse est simple. Ça va être vraiment, pour l'application, ce sera la direction générale de l'enseignement scolaire de décider dans le détail. Nous, ce qu'on fait au conseil supérieur du programme, c'est un projet de programme. Maintenant, ce que vous avez vu, c'est que ce projet de programme suppose que des professeurs de nombreuses disciplines puissent intervenir. La perspective est vraiment interdisciplinaire et ça c'est un élément important. Donc, et ce programme, puisque c'est un programme scolaire, s'adresse en priorité bien sûr aux enseignants qui doivent le mettre en œuvre. Mais un programme sur ce type de sujet doit se faire bien sûr en lien aussi avec les parents. Quant aux associations, s'il y a lieu de faire appel à les associations, il faut qu'elles puissent être effectivement certifiées et qu'elle ne soit pas là pour faire un militantisme d'un côté ou de l'autre. Un dernier mot très rapide sur le lycée. L'objectif, c'est vraiment là de former des citoyens. On forme au risque et à la liberté. Exactement. On forme au risque et à la liberté. C'est dans ce sens que notre programme est, je dirais, équilibré, humaniste et républicain. Merci beaucoup Marc Sheringham. Donc, si ce projet de programme est validé, il entrera en vigueur dès la rentrée 2024. Merci. Pour résumer rapidement, j'ai mon fils qui est rentré un soir d'école avec une fiche à remplir sur la puberté. Et là, il est arrivé de suite, il m'a dit « j'ai rien compris ». Et même en classe, j'ai été choquée. Mes camarades ont été choqués qu'on parle de ça à cet âge-là. Ils ont dit « mais on n'a pas qu'en collège de ça ». La maîtresse, j'ai envoyé un mail, elle m'a dit qu'elle était obligée de le faire et que c'était dans le programme depuis peu. Et qu'elle aussi était gênée d'en parler à des enfants de cet âge-là, la maîtresse. Donc moi, honnêtement, je trouve qu'il faut, c'est pas un âge. Et en plus, je pense qu'il y a presque même limite, il pourrait y avoir un côté pervers. C'est-à-dire que mon fils aurait pu très bien aller sur Internet, taper éjaculation et se retrouver avec des sites pour adultes, voyez, dans la page de recherche. Et je pense que à cet âge-là, il faut leur laisser leur innocence. Jessica, vous entendez l'inquiétude de Laurent, Jessica? Oui, je l'entends tout à fait, et j'aimerais lui dire que, comme vous disiez tout à l'heure, dans certaines familles, on n'aborde pas du tout les sujets de la sexualité et de la vie affective, et vraiment c'est important de parler de vie affective et sexuelle, parce que c'est pas simplement parler de la sexualité, justement, comme peuvent le croire certaines personnes, c'est pas du porno, on leur parle de vie affective, de consentement, et justement on leur parle, alors je parle au collège, attention, hein, pas en maternelle, mais effectivement, sur l'homophobie, sur la pornographie, de faire attention que ces images-là, elles circulent. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle, que nos enfants ont accès à Internet très rapidement, et que si votre enfant à vous n'a pas accès, il aura toujours un copain qui a un portable et qui peut lui montrer des choses, et qu'il faut... Moi, je sais que je discute beaucoup avec mes enfants de ça, de l'intimité, de ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, qui peuvent les choquer. Et il faut les prévenir, et il faut... En toute délicatesse, en toute bienveillance, on n'est vraiment pas là pour aborder les choses de manière abrupte, et peut-être que certaines personnes ont pu le faire, mais la majorité des personnes qui interviennent dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, le font pour protéger les enfants, réellement. Laurence. Oui. Alors moi, au collège, je ne suis pas contre, pas du tout. Cinquième ou quatrième, c'est tout à fait normal. Ils rentrent dans l'âge où il faut leur en parler, et moi, je suis ouverte, et j'espère qu'ils m'en parleront, et que je pourrai en discuter avec mes enfants. Mais alors, en maternelle et en primaire, mais je suis opposée complètement. Enfin, j'imagine même pas qu'on explique à ma fille de 4 ans même des petites prémices de sexualité. Pour moi, c'est limite, je boycotte la journée de l'école si jamais la maîtresse m'annonce qu'on va parler aujourd'hui de sexualité. Enfin, il faut leur laisser leur innocence.